Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle. Le grand retour de notre Queen Hailey et son nouveau titre. Attention comment je vais le prononcer, vous savez que je suis très nulle en langue. Don't Tish, c'est comme si je dis Tish quoi, enfin ouais c'est un truc à la belge. Don't Tish Me. Franchement j'ai vu le teaser. Et ce que j'aime beaucoup, t'as vraiment ce côté très cabaret, festif, et tu as les danseurs avec des masques assez spéciales. Je me dis, waouh, c'est un peu en mode Charleston aussi, vraiment beaucoup de concepts que j'aime bien. Elle a déjà utilisé dans certains de ses MV, dans ses comebacks passés, donc j'aime beaucoup. Comme vous le savez, elle a signé sous une nouvelle agence, dont Ravi a tout simplement ouvert une deuxième agence. Comme vous le savez, il a déjà sa première agence, mais plus poussée sur tout ce qui est hip-hop et tout. Et là, elle a voulu tout simplement créer une nouvelle agence, dont Hailey fait partie, maintenant Wayne aussi, bientôt. Ou je pense qu'elle a déjà signé, mais elle fait quand même des promotions encore avec Mamamoo. Enfin, il y a des choses qui se sont arrangées. J'aime beaucoup Ravi de base et que ces deux artistes font partie de sa nouvelle agence. Enfin, franchement, que du bonheur. Donc là, j'ai envie de vous dire, le teaser m'a vraiment donné de l'eau à la bouche. Et franchement, j'ai hâte de voir ça parce qu'elle me manquait vraiment, Hailey. Et c'est parti, je vais découvrir ceci. Maintenant, go. Ça fait vraiment très Aristo, tu vois. On peut pas se voir, les gars, nous sommes tous en noir, code couleur, noir et blanc. Sa voix m'avait manqué. C'est elle, la star de la soirée. Elle est magnifique. Mais elle, elle a pas de masque pour arriver à la soirée? Ok. Oh. Ah, j'adore. Oh, et ce... Oh, 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 super! Alors, on a poussé vraiment le concept cabaret Charleston jusqu'au bout. J'aime beaucoup. Même au niveau chorégraphie et tout, c'est cool. Ok, transition, tenue blanche. Elle est superbe aussi. J'aime beaucoup son serre-tête avec ce filet. Ça fait très madame, tu vois, avec comme sa cigarette et... Tu vois? Oh, on dirait une déesse grecque, là. Oh, super canon. Toutes ces tenues sont magnifiques hein. J'aime beaucoup le caméraman ce qu'il fait hein. Don't teach me. Oh, elle est juste magnifique. Vraiment ce temps de repos là, on dirait. Ah, les paillettes sont magnifiques. J'aime beaucoup, ils ont fait un eyeliner fin noir, mais pailleté au-dessus, c'est super joli. Oh, pourquoi il y a tout qui casse? Comme si la musique, en fait, les vibrations de la musique pétaient tout en fait. Ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'elle est sûre d'elle, c'est une femme fatale, tu vois. Canon!
Ouais. Alors je peux vous dire que j'ai passé vraiment un chouette moment. J'aime beaucoup cette thématique Charleston, cabaret, on le retrouve également dans ses tenues, c'est très festif, également pailleté, et cette tenue comme si c'était une déesse princesse grecque, franchement elle était juste sublime, jusqu'au bout des ongles, make-up nickel, même les petits strass qu'il y avait dans ses cheveux, franchement j'ai tout adoré, le thème était là jusqu'au bout. Au niveau de la chanson, comme je peux vous dire, vraiment gros coup de cœur, c'est... Tu retrouves carrément l'identité musicale d'Hailey, je trouve. Le MV est quand même un peu simple parce que tu retrouves quand même ce côté cabaret, mais sans trop. C'est plus ce côté très richissime avec tous les personnages masqués. Est-ce qu'elle était juste quelqu'un qui était là pour faire une représentation, pour un petit peu entre guillemets amuser la galerie, ou c'était le personnage principal, l'hôte de la soirée? Enfin, c'était un petit peu spécial, mais c'est pas, ça m'a pas dérangé. Après, on dit avec la Covid, tu sais peut-être pas faire spécialement plus à l'extérieur et tout. Mais le thème était là, la chanson était franchement très pétante, très pétillante. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de son. Et Hailey m'avait vraiment manqué, surtout sa texture de voix, vraiment magnifique. Les high notes, tout était parfait. Je sais pas quoi dire de plus, à part que j'ai juste kiffé. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié le retour d'Hailey et ce côté cabaret Charleston. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important, surtout en ces temps qui courent. Au revoir, vos belles yeux noirs.